Ouais, on va enfin pouvoir enregistrer cette première vidéo. Ouais, c'est bon? C'est bon pour toi? Bah écoute, on est parti! Eh bien, je suis Nickel Sophia, j'ai 36 ans, originaire de la Martinique. Je suis coach professionnelle et consultante web marketing. J'accompagne donc les particuliers et les entrepreneurs qui se sentent bloqués dans leur parcours de vie ou dans le développement de leur business. Et je les aide à identifier et à dépasser les éléments qui en eux-mêmes les bloquent, les limitent, pour leur permettre d'atteindre leurs objectifs d'épanouissement personnel et professionnel. Alors, je suis venue au coaching pour deux raisons principales. La première, déjà, c'est ma passion, ma pratique du développement personnel depuis plus de 10 ans maintenant. C'est vraiment un domaine qui m'a porté, qui m'a aidé à me construire, qui m'apporte encore aujourd'hui des réponses à mes nombreuses questions sur moi-même, sur mes interactions avec les autres, avec le monde. Donc ça, c'est la première raison. Et puis la deuxième, c'est que au fil du temps pendant lequel j'accompagnais, au fil des années pendant lesquelles j'ai accompagné des entrepreneurs sur des problématiques stratégiques et techniques marketing, je me suis rendu compte que de plus en plus systématiquement, on en venait en fait à des problématiques plus personnelles, à des choses qui touchaient davantage le mental, l'état d'esprit. Parce que oui, les stratégies et les techniques, ben, ça ne suffit pas. Donc j'ai tout naturellement ressenti le besoin d'élargir mon offre de services et de ne plus travailler uniquement sur le comment à travers le consulting, le conseil, mais d'aller plus loin à travers le coaching en travaillant davantage sur la source de la problématique, sur les mécanismes cognitifs, émotionnels qui entrent en ligne de compte, sur l'identité, sur le véritable sens que mes clients donnent à leurs actions. Donc, en ce sens, le coaching me permet d'aller plus loin et d'être plus efficace dans mon accompagnement. Alors, ma personnalité, ben, je suis une personne joyeuse, une personne positive, enthousiaste, passionnée. J'aime ce que je fais, j'aime les gens, j'ai un contact en général assez facile avec les gens. Et j'aime surtout me sentir utile dans ce que je fais. Et parallèlement, ben, je suis quand même assez solitaire. Je suis très autonome, j'ai besoin d'être à mon rythme. J'ai besoin de grands degrés de liberté dans ce que je fais, dans mes choix, dans mon organisation. Donc un caractère quand même assez fort. On ne m'embête pas longtemps. C'est d'ailleurs pourquoi je n'ai pas été salariée très longtemps dans ma vie. Mais voilà, donc quelqu'un d'organisé, de rigoureux. Oui. Je suis plutôt cartésienne, j'aime beaucoup apprendre, je me lance régulièrement de nouveaux défis. Une personne déterminée, persévérante, parfois même un peu têtue. Voilà, je suis agréable. J'aime la vie dans sa simplicité et je me donne surtout à fond dans ce que je fais. Ben je dirais une coach authentique. Bon, allez, ça n'a pas vraiment de sens de le dire, puisqu'effectivement, l'authenticité devrait normalement faire partie intégrante des compétences opérationnelles du coach professionnel, au même titre que le sens de l'écoute, que l'empathie, etc. Mais bon, c'est l'un des retours que j'obtiens le plus souvent, cette authenticité, et puis peut-être ce côté cartésien, finalement, parce que j'aime beaucoup tout ce qui est carte mentale, plan d'action, processus, voilà, tous ces outils structurants, j'aime beaucoup parce que ce sont des outils qui aident mes clients à clarifier leurs pensées, à mieux se comprendre et à mieux passer à l'action. Donc voilà, je dirais vraiment authenticité et puis un côté très, très cartésien. Mais cette spontanéité, une fois que le cadre est posé, cette spontanéité, cette énergie que mes clients ressentent à travers les séances, à travers mes outils, je suis très proche en fait de mes clients. D'ailleurs, c'est pourquoi je préfère le tutoiement.
Oui, c'est ça, c'est ça. C'est une vraie relation, un vrai rapport collaboratif qui se crée. Et le truc, c'est que j'ai pas le sentiment de fournir d'efforts particuliers ou de jouer un rôle pour adopter cette posture de coach. Je suis juste moi-même et je me sens vraiment à ma place dans cette posture. C'est également l'un des retours qui m'est fait. Donc ça me fait juste plaisir. Si je dis que je suis passionnée par mon boulot, ça le fait ou pas? Non, ça fait bizarre. Bon, ben, non, je sais pas. Non, mais sincèrement, je travaille beaucoup et j'aime ce que je fais, j'aime ça. Je suis passionnée à la fois de développement personnel et d'entrepreneuriat, d'innovation, etc. Donc, autant dire que j'aime beaucoup ce que je fais. Mais bon, en dehors de ça, j'aime beaucoup la musique, en particulier chanter. Je ne suis pas très télé, série, etc. Par contre, j'ai une série. Il s'agit de Plus belle la vie. C'est comme ça. Je suis fan depuis les tout premiers épisodes. J'aime vraiment le côté réaliste de cette série. J'aime la diversité des sujets traités. J'aime même le fait que la diffusion soit synchronisée avec le calendrier réel. Enfin bon, voilà, je suis fan, je suis vraiment fan. Et sinon, j'aime beaucoup le jardinage et globalement le contact avec la nature. J'ai vraiment besoin de ce contact. C'est quelque chose qui m'aide à m'évader, qui m'aide à couper toutes ces pensées que j'ai. Donc, qui me permet de faire taire le mental, de me recentrer, de me ressourcer. Oui, beaucoup le contact avec la nature et globalement toutes les activités manuelles, sauf la cuisine, voilà. Mon expression favorite. Ah oui, yes, you can. Simple et efficace, hein? C'est même plus qu'une expression en fait, c'est vraiment un état d'esprit que j'ai développé, que je m'applique à moi-même et que je transmets bien volontiers, avec joie, à mes clients. Bah écoute, merci à toi d'avoir regardé cette toute première vidéo. J'espère qu'elle t'a plu et qu'elle t'aura permis d'en connaître un peu plus sur moi. N'hésite pas à me poser toutes tes questions en commentaire ou par message privé. Je t'invite également à t'inscrire à ma liste email privée pour recevoir chaque mardi et chaque vendredi un petit email de ma part pour t'accompagner dans ton introspection et dans l'atteinte de tes objectifs. Abonne-toi à la chaîne pour être notifié des prochaines vidéos. Et d'ici là, je te dis prends bien soin de toi et à très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!